Eh bien, salut tout le monde, c'est Jean-Phil, celui qui mange la Heaters au petit déjeuner. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc c'est un challenge, Toaster Challenge. Donc c'est quoi Toaster Challenge? C'est un challenge, donc un défi qui a été créé par Steelors. Je vous en parle très souvent de ce youtubeur, c'est un de mes youtubeurs préférés. Je vous en parle très souvent. Donc il a fait un challenge plutôt original. Son challenge, en fait, il faut te munir d'un grille-pain ou d'un toaster. En Belgique, on dit grille-pain. Je sais pas vous dans votre région comment on dit, mais nous on dit grille-pain. On a vraiment pas du tout l'habitude de dire toaster. C'est plus anglais pour nous. Et un grille-pain et une tranche de pain. Bon, si alors il avait utilisé une pain de mie, pareil en Belgique. Tu manges le pain de mie, c'est presque inexistant en Belgique. Donc moi j'ai pris une tranche de pain du petit boulanger, vois-tu. Voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce challenge? En fait, c'est très très simple. Tu dois mettre ta tranche de pain dans le toaster, on va appeler ça le grille-pain. Il est tout chaud là parce que j'ai déjà allumé. Tu dois la mettre dedans. T'attends un peu. Tu dois regarder comme ça le grille-pain en face. Je vais mettre dans un bon angle comme ça vous pourrez me voir. Et il faut tout simplement ne pas sursauter au moment où ta tranche de pain va arriver près de ta face. Voilà, donc c'est ça. Donc écoutez, je me munis de ma tranche de pain. J'ai mon toaster ici. Désolé, j'ai pas vraiment un très bon angle de la caméra. Oh, par contre, il va pas rentrer si je le mets dans ce sens-là. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et voilà, je l'ai mis là. Bon, il sera pas entièrement toasté, mais bon, écoutez, je l'ai mis au maximum, ça va. Donc, écoutez, il faut attendre un peu que la tranche de pain soit toastée. Et écoutez, là, je vais mettre comme ça, je vais un peu bouger le micro, voilà, comme ça. Et je ne dois pas sursauter au moment où la tranche de pain va sauter, voilà. Donc, en tout cas, c'est parti, mon kiki. Je vais essayer de me concentrer, ne pas sursauter. Je sais pas ce que ça donne, hein, c'est le premier essai avec vous. Écoutez, c'est parti. Le truc, c'est que tu sais pas quand il va sauter, c'est ça le problème là. Et ça commence à chauffer dans mes mains, c'est ça le pire. Et franchement, n'empêche, ça prend pas mal beaucoup de temps, c'est incroyable. C'est vraiment ultra long. Ultra long, mon gars. Je commence à me demander s'il est pas bloqué, tu vois. Attends, je vais le mettre droit pour voir ce que ça donne. Attends, si je le mets droit. Je vais mettre 3. Peut-être que ça va changer. Ça, quand même, ça prend quand même pas mal de temps, un truc de fou. Non, j'ai sursauté. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais quand même. Ah ouais. Enfin, je sais pas si j'ai sursauté. Je sais pas si c'était vraiment un sursaut. Tu vois, donc voilà, petite tranche de pain, je vais la bouffer après. Pas de gaspillage. Et une deuxième, j'ai vraiment envie de recommencer le challenge. Donc écoutez, je mets la tranche de pain. Voilà, putain, en fait, ça me brûlait tellement les mains. Parce que le plastique, il chauffe. Et ça me brûle tellement les mains. Franchement, je sais pas si j'ai sursauté. Je crois que j'ai fait un petit sursaut. Vous aurez dû voir sur Steelers le mec. C'est comme si on l'agressait. C'est vraiment ça. Bref, j'en ai remis une. Je crois que je vais un peu attendre parce que là. Petite pause. J'attends un peu le temps que ça a pris. Ça a mis 3-4 minutes, un truc dans le genre. Donc écoutez. Ok, donc là, je crois que je vais pouvoir le faire. Voilà, donc c'est parti, mon kiki. On va essayer de ne pas stresser, voilà. Deuxième tentative, dernière tentative, n'est-ce pas?
Je vois de la fumée qui s'échappe de la tartine. Oh mon dieu! Oh mon dieu! What the fuck? Ok, je regardais là. What the fuck? Ok. Je crois que c'est un fail. Ouais. J'ai presque jamais utilisé un truc comme ça. De toute façon, je crois que j'ai jamais mangé un truc grillé, une tartine grillée comme ça de toute ma vie. Oh my god! Il semblait bien que ça prenait du temps. Mais il me semblait bien que ça prenait plein de temps. Attendez, je vais juste vous montrer, essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Allez, bon appétit! C'est typiquement cancérigène, ce truc de fou. Bon, bref. Ça, je peux le jeter, voilà. Enfin, le jeter, je peux le mettre de côté, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo challenge vous aura plu. Donc, je crois que c'est un fail. Je crois que j'ai sursauté aux deux moments. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. C'est le principal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like qui fait toujours extrêmement plaisir. Pourquoi pas t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. T'abonner à Steelor si c'est pas déjà fait. Le lien de sa vidéo où il explique le challenge est dans la description. Donc si ça t'intéresse, va voir cette vidéo. Et voilà. Donc pour ma part, on se dit à la prochaine. Tchuss! Donc, je vais pouvoir le faire. Voilà. Donc c'est parti, mon kiki. On va essayer de ne pas stresser. Voilà. Deuxième tentative, dernière tentative, n'est-ce pas? Je vois de la fumée qui s'échappe de la tartine. Oh mon dieu! Oh mon dieu! What the fuck? Ok, je regardais là. What the fuck? Ok. Je crois que c'est un fail. Regardez comme ça le grille-pain en face. Je vais le mettre dans un bon angle, comme ça vous pourrez me voir. Et il faut tout simplement ne pas sursauter au moment où ta tranche de pain va arriver près de ta face. Voilà, donc c'est ça. Donc écoutez, je me munis de ma tranche de pain. J'ai mon toaster ici. Désolé, j'ai pas vraiment un très bon angle de la caméra. Oh, par contre, il va pas rentrer si je le mets dans ce sens-là. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et voilà, je l'ai mis là. Bon, il sera pas entièrement toasté, mais bon, écoutez, je l'ai mis au maximum, ça va. Donc, écoutez, il faut attendre un peu que la tranche de pain soit toastée. Écoutez, là, je vais mettre comme ça, je vais un peu bouger le micro, voilà, comme ça. Et je ne dois pas sursauter au moment où la tranche de pain va sauter, voilà. Donc, en tout cas, c'est parti, mon kiki. Je vais essayer de me concentrer, ne pas sursauter. Je sais pas ce que ça donne, hein, c'est le premier essai avec vous. Écoutez, c'est parti. Eh bien, salut tout le monde, c'est Jean-Fils, celui qui mange la hitter. Oh, petit déjeuner. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc, c'est un challenge, Toaster Challenge. Donc, c'est quoi Toaster Challenge? C'est un challenge, donc un défi qui a été créé par Steelors. Je vous en parle très souvent de ce youtubeur, c'est un de mes youtubeurs préférés. Je vous en parle très souvent. Donc, il a fait un challenge plutôt original. Son challenge, en fait, il faut te munir d'un grille-pain ou d'un toaster. En Belgique, on dit grille-pain. Je sais pas vous dans votre région comment on dit, mais nous on dit grille-pain. On n'a vraiment pas du tout l'habitude de dire toaster. C'est plus anglais pour nous. Et un grille-pain et une tranche de pain. Bon, si alors il avait utilisé une pain de mie, pareil en Belgique. Tu manges le pain de mie, c'est presque inexistant en Belgique. Donc moi j'ai pris une tranche de pain du petit boulanger, vois-tu? Voilà, c'est ça. Bon,
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce challenge? En fait, c'est très très simple. Tu dois mettre ta tranche de pain dans le toaster, on va appeler ça le grille-pain. Il est tout chaud là parce que j'ai déjà allumé. Tu dois la mettre dedans. T'attends un peu. Tu dois regarder. Non, j'ai sursauté. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Enfin, je sais pas si j'ai sursauté. Je sais pas si c'était vraiment un sursaut. Tu vois, donc voilà, petite tranche de pain, je vais la bouffer après. Pas de gaspillage. Et une deuxième, j'ai vraiment envie de recommencer le challenge. Donc écoutez, je mets la tranche de pain. Voilà, putain, en fait, ça me brûlait tellement les mains. Parce que le plastique, il chauffe. Et ça me brûle tellement les mains. Franchement, je sais pas si j'ai sursauté. Je crois que j'ai fait un petit sursaut. Vous aurez dû voir sur le Steelers le mec. C'est comme si on l'agressait. C'est vraiment ça. Bref, j'en ai remis une. Je crois que je vais un peu attendre parce que là. Petite pause. J'attends un peu le temps que ça a pris. Ça a mis 3-4 minutes, un truc dans le genre. Donc écoutez. Ok, donc là, je crois que. Le truc, c'est que tu sais pas quand il va sauter, c'est ça le problème là. Et ça commence à chauffer dans mes mains, c'est ça le pire. Et franchement, n'empêche, ça prend pas mal beaucoup de temps, c'est incroyable. C'est vraiment ultra long. Ultra long, mon gars. Je commence à me demander s'il est pas bloqué, tu vois. Attends, je vais le mettre droit pour voir ce que ça donne. Attends, si je le mets droit. Je vais mettre 3. Peut-être que ça va changer. Ça prend quand même pas mal de temps, un truc de fou.